On parle toujours d'arrêt cardiaque et qui le cause. Généralement, un arrêt cardiaque est dû à un infarctus du myocarde. Qu'est-ce que c'est? Autour du cœur, il y a ce qu'on appelle une artère coronaire, puisqu'elle fait une couronne autour du cœur. L'infarctus du myocarde est dû à un bouchement d'une de ces artères. Puis, le cœur n'est plus alimenté en oxygène, puis meurt. Généralement, l'infarctus du myocarde est dû au cholestérol. Alors, il y a deux types de cholestérol. Il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Ben, c'est le mauvais qui nous intéresse dans cette histoire. Quand il passe dans les vaisseaux sanguins, le système immunitaire se défend et emploie une grande armée pour lutter contre ce envahisseur, ce qui bouche mais un peu le trou. Après des attaques, toutes ces matières deviennent un caillou qui fatalement bouche l'artère ou les vaisseaux sanguins.